Всем привет, салют, это Уго, и это видео новое, я говорю вам на французском языке. В этом видео я вам расскажу о том, где я живу, мой регион, что интересно на севере Франции, немного ее истории и так далее. Будет субтитры, французские субтитры, не русские, только французские. Тогда, если вы не понимаете то, что я говорю на французском, то вы можете, читать субтитры и поискать то, что вы не понимаете. Пойдем. Ma région s'appelle le Nord. Le Nord, c'est le nom de mon département. Le département du Nord fait partie de la région qui s'appelle les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est une région qui se situe en France, évidemment. Cette région, ce département plutôt, j'y vis depuis que je suis né. J'ai toujours vécu dans le nord de la France. Le nord de la France, c'est la région où, quand il y avait encore des mines, il y avait beaucoup de mineurs. Il y a encore beaucoup de terris dans le nord de la France, et des corons. Un terri, c'est une sorte de montagne. Voilà, il y a une photo ici, de toute façon, pour vous montrer ce que c'est. C'est une montagne qu'il y avait près des mines, parce que ce sont les déchets de charbon. Ceux dont les entreprises ne voulaient pas, ceux que les mineurs avaient minés et remontés à la surface, mais qui n'intéressaient personne, on les mettait l'un dedans. Ça s'appelle un terri. Ça s'écrit comme écrit là. Terril. Mais on dit un terri. Ensuite, j'ai parlé des corons. Les corons, ce sont les maisons de mineurs. Je vais vous mettre des photos, voilà, ici. Ce sont des longues barres de maisons, très longues, avec des maisons qui sont toutes les mêmes. Ce sont des petites maisons, souvent en briques assez foncées, parce qu'il y a du charbon autour. Du coup, tout est un peu noir. Même aujourd'hui, quand on est en train et qu'on va à travers ces régions où il y avait des mines, c'est très noir. La terre est noire. Même les arbres sont noirs, etc. Il n'y a plus de mines depuis longtemps dans le nord de la France. Toutes les mines sont fermées. C'est illégal maintenant d'envoyer des gens sous terre. Une partie de ma famille est arrivée en France en 1936. Elle est arrivée de Pologne. Donc depuis la Pologne, elle est venue en France pour travailler. Donc c'était un homme et une femme qui étaient venus. L'homme a pendant un moment travaillé à la mine. Et la femme, elle a travaillé dans les champs. L'homme qui était dans la mine a fini par tomber malade à cause de son travail, parce qu'il allait dans les mines, etc. Il a eu des maladies respiratoires, je crois. Je crois que c'était des maladies respiratoires. Oui, c'est un mot compliqué, mais je vous l'explique. Du coup, il a été contraint d'arrêter de travailler dans les mines. Il est remonté à la surface, puis il est mort forcément après. Il est mort après. Ces deux personnes, elles ont fait naître ma grand-mère. Ma grand-mère qui parle polonais et qui, du coup, est la raison pour laquelle je parle russe. Plutôt, j'apprends le russe. Si ma région vous intéresse davantage, un youtubeur très connu en France qui s'appelle Norman a fait un podcast dessus. On peut dire podcast, mais une vidéo, c'est plus simple. Il a fait une vidéo dessus. Voilà la miniature qui est juste là. Vous pouvez aller la voir, parce qu'elle est drôle, c'est un humoriste, c'est quelqu'un qui fait des vidéos drôles. Pendant que le soleil est de retour, il y a enfin plus de pluie. Donc voilà, il parle très bien du nord de la France, de manière drôle, et je pense qu'il a les sous-titres, qu'il y a les sous-titres sur cette vidéo, pour vous aider à comprendre. Il y a même peut-être les sous-titres russes. En tout cas, c'est tout pour cette région, enfin pour cette vidéo dans laquelle je vous parle en français. Si vous n'avez pas compris quelque chose malgré les sous-titres, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Je vous répondrai sans problème. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et salut, à la prochaine.